Oh yeah. What's up, world? Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, il était une voix rencontre, une voix de légende, celle de Patrick Poivet, qui n'est autre que la voix officielle du sublime Bruce Willis. Mais savez-vous que Patrick a également doublé Tom Cruise dans la plupart de ses films cultes? Allez, c'est parti! C'est toi, Patrick, la voix officielle de la superbe star Bruce Willis. Star que tu as doublé depuis ses tout débuts dans la série Clair de Lune. Le film que tu as préféré doubler, Patrick, est Le bûcher des vanités de Brian De Palma avec le rôle de Peter Fallow. Absolument, c'est là que... Moi, j'ai Bruce Willis, pour moi, c'est vraiment le monstre. C'est une star, c'est un acteur génial. Madame Ruskin. Oui. Je m'appelle Peter Fallow. Oh. Je suis très ému par votre malheur. Oh, que vous êtes gentil. Vous connaissiez mon Arthur. Oui, je dirais même que nous étions très proches au moment de son décès. Il était une fois un homme qui s'appelait Malcolm. Il travaillait avec les enfants. Et il aimait ça. Il aimait ça par-dessus tout. Alors Patrick, tu connais Bruce Willis, tu l'as déjà rencontré. Il adore ta voix, qu'il aurait même aimé avoir la même. Quel honneur. Il y en a qui ont la Légion d'honneur. Eh bien, écoute, moi, j'ai cet avantage au moins, c'est que Monsieur Bruce Willis s'est permis de dire qu'il aurait aimé avoir ma voix. Je vais compter jusqu'à 3. Oui, oui, comme pour Takagi. Surprise. Il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que je t'ai toujours considéré comme mon fils. Et je peux te dire que je suis très fier de savoir que vous allez vous marier. Patrick, tu as également doublé Tom Cruise dans ses premiers films avec des films cultes comme Top Gun, Rain Man aux côtés de Dustin Hoffman, La couleur de l'argent de Scorsese aux côtés de Paul Newman, Mission Impossible, Austin Powers 3. Quand tu as la chance de doubler Monsieur Tom Cruise dans Rain Man, quand tu vois la performance extraordinaire de Tom Cruise dans Rain Man, et que toi, on te demande d'essayer de l'abîmer le moins possible, quand tu arrives sur un tournage, quand le metteur en scène te raconte le sujet en te disant « il était une fois » et qu'il te raconte ton personnage, théoriquement, tu n'as pas beaucoup d'angoisse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ça a l'air très dangereux cette autoroute. Comment je vais aller à Los Angeles? Évidemment, c'est très dangereux de conduire sur cette autoroute. Bon, tu veux qu'on sorte de l'autoroute et tu feras plus de drame? Oui. Oui, bon, alors viens, rentre dans l'auto et on va sortir de l'autoroute. Mon équipe est morte! Nom de Dieu. Golitsyn envolé. Il savait qu'on arrivait, mon sang. Il savait qu'on arrivait. Et la disquette s'est envolée. Charlie Sheen dans Wall Street. Bah, ça me fait rire. Moi. Mickey Rourke dans 9 semaines et demie, le film culte aux côtés de Kim Basinger, c'est ta voix. Ouais, mais là, c'est sexuel, quoi. Avant d'avoir fait le film, on ne peut pas savoir quelle est l'intensité que va prendre ce film. C'est culte, aujourd'hui. Complètement. Il y a eu un... Bon, l'image parle d'elle-même. Kim Basinger et... sont extraordinaires. Mais il y a une telle chaleur, c'est-à-dire que les murs transpirent, quand même. Alors c'est proche de l'attentat, quoi. Et on a essayé de le rendre, et j'espère qu'on l'a fait, je crois qu'on l'a fait. Ah oui, vous l'avez fait. Oui, ah oui. En préservant nos vies privées, ce qui est quand même assez rare. Par exemple, cette chaise où vous êtes ici, il y avait un type qui s'appelait Gino Gambino, qui s'est fait sauter la cervelle. Là, en mangeant exactement ce que vous mangez, linguine concozze. À la télévision, alors évidemment Patrick, ça n'est pas exhaustif, tu doubles plein de séries cultes. Et je retiens Don Johnson dans Deux flics à Miami et puis Nash Bridges. Très joli rôle ça aussi. Hein. J'adore. Il ne s'agit pas de ce déguisement et tu sais très bien. Et l'an dernier, il ne s'agissait pas non plus de ton alliance que tu avais égarée. Et puis l'acteur Kyle MacLachlan, très dur à dire. Dur, hein. Dans Twin Peaks, Sex and the City et Desperate Housewives avec le rôle d'Orson Hodge. MacLachlan, c'est un acteur surprenant, hors du commun. Il a un humour insensé et il est complètement décalé. Je sais très bien qu'on n'achète pas une maison aussi facilement, mais à combien de dîners au vitriol as-tu encore envie d'assister? Tu ne peux pas te le permettre. Qu'a-t-elle voulu dire au juste? Elle donnait l'impression de te menacer. Oui, elle menace de nous rendre la vie impossible jusqu'à ce qu'on s'aime. En dessin animé, dans Mille et une pattes, tu es Marcel, la coccinelle.
Votre Majesté, fourmis-dames, fourmis-cieux, jeunes filles et jeunes gens de tous âges, notre troupe vous garantit une performance hors du commun. La Belle et le Clochard, le doublage, le deuxième doublage, tu as fait Clochard. Eh oui, ça tire les poils, ça pince les oreilles, ce qui pour un chien est à peu près vivable. Mais l'ennui, c'est que ça envahit la maison. Le dessin animé, c'est la plus belle expression. On s'attribue le personnage. Donc on le crée, on le prend. Là, c'est le plaisir ultime. Hein. Il me semble que tu as rencontré Charlton Heston. J'arrivais à SIS, la Garenne Colombe, 8h30 du matin. Le bar d'SIS, vide. Et il y avait Gérard, le barman. Et puis je lui fais un café, s'il te plaît. Il y a quelqu'un au bout du bar qui fait « Je vous prie de m'excuser, j'ai demandé le café avant. » Alors, moi, je change la tête. Et là, je vois un espèce de monstre, 1m95, 98, 2 mètres. Incroyable. Monsieur Charlton Heston, des yeux bleus. Il me fait « Nous allons peut-être prendre le café ensemble. » Oh. Alors Patrick, tu as également joué, notamment dans Flag, de Jacques Santi, dans Train d'enfer, de Roger Hanin, Loulou, de Maurice Pialat, et puis dans L'Addition, aux côtés de Richard Berry et de Richard Boringer. Tu as souvent aussi joué dans Le Commissaire Moulin, aux côtés d'Yves Régnier. C'est mon ami. C'est ton ami Yves Régnier. Je l'aime. J'étais arrêté à un carrefour, cherchais l'adresse d'un client, et soudain, je vous dis pas, j'ai flippé comme un fou. Là, il y en a un qui m'a braqué un pistolet énorme en pleine gueule, alors pas question de résister. Et vu que la boîte où je travaille a des assurances, elle prend pas des notes, votre secrétaire. Patrick, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Surtout, arrêtez de penser, mais faites les choses. Ça, c'est très important. C'est un métier de cinglé, il faut le savoir. Vous avez une chance sur 20 millions d'arriver à en vivre. Mais si jamais vous avez une volonté d'en faire, eh bien, à ce moment-là, vous réussirez. Merci, Patrick. J'ai été ravie de te recevoir. Je t'en prie. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite, bye bye.